Bonjour tout le monde, en fin de semaine, toute l'équipe de Plein Air Sans Limite se dirige dans la belle province de l'Ontario, plus précisément sur le lac Ontario. On s'en va faire une belle pêche au saumon chinook puis à la truite steelhead en compagnie d'un guide passionné. On souhaite que le lac soit généreux avec nous, puis aussi que Dame Nature soit clémente. On sait que le lac Ontario, parfois, peut nous réserver des petites surprises. Donc, on souhaite pas trop de vagues pour être capable de vous présenter des belles images. Donc, suivez-nous, c'est un rendez-vous. Plein air sans limite, ça continue. Yes! On va avoir une belle journée, il va faire beau. On s'est levé de bonne heure un matin. 4h moins quart, maintenant, on s'est levé. Hein? 4h moins quart. On s'est couché à minuit. Préparer notre belle production. Tu as une connexion pour la bolide qui va être à côté du plateau là-haut? Ouais. Ouais, fait que on va travailler fort aujourd'hui pour vous présenter des belles images. On a un guide super enthousiaste, super gentil, super bonne humeur. Un bon Jack, on va vous le présenter plus tard. Fish on! Oh yeah, et c'est parti pour une belle journée! Elle est correcte.
Elle, tu vas serrer la cloche, mais qu'à froid, il y a 125. Ça va me laisser le temps de choisir mes leurres. C'est comme ça. 5 là. Celle-là, c'est? Ouais. Okay. Le chiffre, c'est le 125. On l'avait dit que ça serait pas long. Sac, man, c'est pesant. On va le fatiguer pas très bon après. Il est là. Winch pas trop. Je le sens, mon gars, qui veut décrocher. Dans 5 minutes, t'as dans plus. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est dangereux. Tu veux, j'ai viré le bateau pour te le mettre dans le bon chenal. Oh, yeah, look at that. Come on, baby, bring it home. Ah, il est dans la salle. Vrai de même, je te jure que tu me ramènes, mon chum. Vrai de même. Là, je vais commencer à virer. Je vais être dans le bon sens. Regarde des muscles, wow! Là, tu vas riller le dipsydrate au bout de la cam, tu lèves la cam dans tes bras. C'est un peu ce que je veux. Et, un dernier spool par en bas, un dernier spool, lève la cam. Lève la cam en ligne droite, Méchant bon début de journée, ça fait même pas quoi, 20 minutes qu'on pêche. Un beau chinook du lac Ontario. Nice. Yes! Un peu. Regarde la canne, je pense qu'il n'y a plus rien.
J'ai plus rien de reste de mon temps. Pour vrai? Ril, 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 ril. Je sens ça, moi. Là? Non. Et Sean, Alain, t'as fait Sean. Yes, sir. Il vient de son bord, là, mon vie. Ah, c'est correct. C'est le bateau qui a tourné, Alain. Hey, savez-vous quoi? Ça prend des mois! Oui, Alain! Hey, c'est spécial! Pensez John bon. Avec Alain! On a besoin de tes impressions, Alain! Incroyable! Incroyable parce qu'il est lourd! Ah, ça va être beau, ça, Alain! Je pense que tu vas battre le mien. C'est l'important, c'est qu'on ait du fun, puis là on a les amis présentement. Gabriel qui lui cassait sa lèvre présentement. Wouhou! Ça y est, pesant! Incroyable! La force que ça peut te donner! Un gros bout, c'est pas rentré encore. On continue l'action. On continue dans l'action. Pas de pression, les amis, qu'est-ce que ça peut être? Yes! Il est loin, hein? Pas rentré, ouais, c'est loin, c'est ouais. Pas rentré. Bah. C'est pas grave, garde-le là, tu vas le fatiguer, c'est pas rentré. On voit la soie sur le front de notre ami, Alain. Toujours en fait ça. Lâche pas, Alain. Mais non, lâche pas. Lâche pas, on prend notre temps, c'est un gros. On va le ramener, on va le ramener à la. Ça là, j'aurais bien pogné, t'as entendu la garde. Oh, pendant 10 minutes. Les amis, c'est du sport! Oh oui, on est prêts pour la relève! On se relaye un peu, Alain prend un petit break! Oh oui, c'est pesant, c'est vraiment spécial! Lâche-toi, ramène! Il prend un petit break! Ah non, il est pesant là! Non, je sais! Et tes impressions, G? Le fun, ça tire. Un beau bon on est toujours en fish-on sur le même poisson. Yes, sir. On a un vrai qui me semble, je vous le dis. Écoutez, on se relie, regardez là. On n'est pas sorti de ça là. Imagine, le poisson tire là-dessus là. C'est incroyable la force. J'ai pas le choix de donner ça à la ligne à mon chum GF parce que c'est très, très physique. Ouais, très et en physique. Plus, on a le soleil qui est en face de nous autres, on plonge dessus. On est là-dedans. Notre chum Alain, il est tout en soi. Ouais, on va se retrouver en bas de la vête, même si je me rébaignis. Si on regarde notre guide ici, notre guide est vraiment pas nerveux, bien confiant. On va rentrer ce poisson-là, ce sera pas trop long. On a Manolo ici, et Manolo qui est prêt pour la vie sous-marine. OK. Yes, sir. On lâche pas, les amis, on lâche pas. On a échappé le poisson. Après, quasiment une demi-heure de combat, il s'est décroché. C'est pas grave, la journée vient de débuter. On recommence. La belle expérience que je viens de vivre, c'était incroyable, j'ai jamais vu que ça de ma vie. Grâce à notre guide Gabriel, un travail fantastique qu'il fait. Sérieux, je pense que c'était mon plus gros poisson à la vie, c'est sûr. On l'a pas vu, on l'a perdu. Quasiment 45 minutes ou 40 minutes de combat avec notre chum GF. Sérieusement, c'était capoté. Gabriel est là pour notre guide. Sérieux. Si vous avez affaire à nos lacs Ontario, faites affaire avec Gabriel. Je considère que Gabriel, c'est le meilleur. Bon sens d'humour, il est là pour ses clients, il travaille très fort.
sérieusement, là, ce guide-là, on ne pourrait pas s'en passer ce matin parce qu'il travaille fort pour nous autres. Donc, continuez à nous suivre sur Plein Air Sans Limite. On vous montre d'autres belles images. On vous revient dessus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Plein Air Sans Limite en direct du lac Ontario. On est en compagnie de notre guide, Gabriel. Hey, salut Gabriel. Enchanté. Ça va bien? Oui, toi. Hey, merci pour l'invitation, Gabriel. Avec plaisir. Aujourd'hui, là, j'aimerais savoir c'est quoi ton expérience sur le lac Ontario? Mon expérience date de 24 ans. J'ai commencé à pêcher ici quand j'avais 6 ans avec mon grand-père, puis la piqueur, c'est toujours ici. Toujours ici. C'est plus que du. Comment je peux dire? C'est plus qu'emmener des personnes, c'est vraiment une passion, ça vient me chercher, mon gars. Puis j'imagine qu'à chaque fois que quelqu'un pointe, il y a un poisson, ça te donne quand même le premier feeling que tu as eu quand tu étais. Exactement. Enfant, oh, ton visage, tantôt. Oh, non. Puis, Gabriel, aujourd'hui, là, à quoi qu'on doit s'attendre une journée complète avec toi sur le lac Ontario à pêche? Attends à prendre du poisson et avoir du plaisir. En réalité, si vous venez ici prendre votre quota, il y a des journées que ça fonctionne et des journées que ça fonctionne pas. Comme aujourd'hui, on voit que c'est une journée que le poisson ne colle pas bien, donc des fois, c'est plus dur. En réalité, du plaisir, on en a à journée longue. Regardez le paysage, c'est fantastique. Il y a une place au monde qu'on voit ça ici, puis qu'on l'a contrarié. La vue au bureau le matin? Oh oui, exactement. Exactement. Donc, merci Gabriel pour notre petite belle journée-là. Éric, est-ce que tu as d'autre à ajouter? Oui, bien aujourd'hui, nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est aussi renseigner les gens, c'est quelle espèce qu'on cible présentement dans notre journée de pêche? Ah, en ce moment-là, on pêche le saumon chinook, le saumon gros et la truite arc-en-ciel, qui est la skillette. C'est tout. La truite grise, je l'aime un peu moins vu que c'est un poisson de fond. C'est un poisson un petit peu plus graisseux. Ça donne des très beaux combats, mais moi j'aime moins ça. On est ici pour prendre du saumon bien. On peut risquer d'en capturer. Oui, on peut risquer d'en capturer quand même. Oui. Parfait. Fait que on vous en dit pas plus, les amis. Nous autres, on retourne dans l'action. On continue notre journée de pêche au lac Ontario avec notre ami Gabriel, notre guide de pêche, qui est excellent en passant. C'est un gars qui est enjoué. Il est dynamique, il lâche pas ses lignes, on essaie toutes sortes de choses, mais on continue, je suis sûr que ça va débloquer. On a déjà un poisson rempli, oui. On a beaucoup d'attaques, on a une belle fight, on l'a perdu malheureusement, ça fait partie de la game. C'est des gros poissons, c'est dur à ramener, donc on continue dans l'action. Venant sans limite! Thank you! Tu m'en as barré, c'est le poisson. Ah ouais! C'est quoi? Oui, monsieur. Oh yes, là on va essayer de le ramener. On a déjà deux. Ça va, JF? Oh ouais, mais là, j'ai le droit à gagner de l'autre ligne tantôt, là. C'est quoi ton truc pour poser les bras, là? Comment t'es beau? Ouais, mais tu rilles pas pendant ce temps-là? Oui, tu rilles. Ouais, mais tu rilles, là. Let's go, mon JF! Celle-là, il s'en vient! Attention, attention à la canne! La canne, c'est une belle, 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 faut sauter! Ah! Pas mal les mêmes! Quoi que ton poisson? Un beau doublé! Ouais, beau doublé! Wow! Félicitations, mon GM! Yes, sir! Mon premier poisson au lac Ontario! Wow! Ben, fier, c'est pas le plus gros de la journée, mais je suis bien fier!
Prochain, Alain. Ah, mazin. On vient en manquer un, mais garde, c'est pas grave, t'as eu le feeling tout à l'heure, tu vas en avoir. Ah, c'est un drôle de feeling parce que ça tire en sacrifice. Ah, oui, mazin. Pas pour rien qu'il appelle ça le King. Yes. King Salmon. Ça en vient, ça en vient. Oh, t'en fais chaud avec Alain, hein? Yes, monsieur. Wouhou! Oh, c'est pas moi, c'est un beau, hein? Oui! Là, désolé, ça brasse un peu. On a un petit peu plus de houle présentement. Le vent s'est levé un peu. Oh, yeah! J'ai vu ma tête! Avec le vent, avec le vent, mais avec le courant, il est top. J'ai l'impression, Alain! Oh, mon gars, lui, hein! Un autre présent! Un autre présent, oui, mais... C'est tout ça payant bien, ça! Bon, mais tu sais, pas mal dur là-bas! On s'arrête pas, laisse-la aller, Alain, comme ça, qu'un autre. On va aller. Hey, je viens juste d'y regosser. Ça fait 15 minutes. Oh, c'est pas bon? Hein? C'est pas bon? Ah oui. C'est bon, lâche pas Alain. On va bien. Il me t'a fallu les masques. C'est bon. C'est bon, t'as la peur dans ton visage. La détermination. C'est pas trop, c'est pas trop. Ramène ton rythme. On se parle, Alain. On t'en fait chaud avec Alain. Yes. Bonne fête, on a quelque chose de beau au bout de la ligne. Pour son petit ami, pour la côte à Rio, tout ce que vous poignez, c'est des beaux poissons. Mais là, nous autres, cette journée-là, on va s'en rappeler longtemps. Très, très belle journée, des très beaux poissons de tri déjà. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Oh, oui. Ouais, ouais. Comme vous voyez, notre guide, le ministre est à Cannes, lui, pendant ce temps-là, il travaille encore sur d'autres lignes. Gabriel, toujours en mouvement sur son bateau. Toujours en mouvement, essaye des choses, pense des stratégies différentes. Tout le temps, à penser à satisfaire les clients. Toujours à penser à essayer de prendre le plus de poissons possible. En descendant, puis monte, chérie. Puis surtout, avoir beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, puis c'est pas ça qui manque aujourd'hui. C'est le même que celle de matin? C'est pas mal, il est beau, celui-là. Au deuxième. Good job, mon homme! Good job! Au deuxième pour une autre très belle bataille. Oh, yes!
Alain, chanceux pour ça aujourd'hui. Oui, il m'a donné du fil à retordre. Encore une fois, lève ça, Alain, mon tout ça devant comme il faut. On le pensait vraiment plus gros, mais il est arrivé une petite avarie avec une ligne qui s'était mêlée dans une ligne plombée. Fait que, mon deuxième. Attends, je vais tourner ça de même. Mettons qu'on avait... Ah, il veut pas. Bon, OK, c'est bon. Mon téléphone, il voulait pas. Ben, je vais vous reculer. Je vais vous reculer un petit peu pour montrer ça. Avec un autre beau Chinook du lac Ontario. Oh, yeah! Avec Gabriel Vachon sur le fameux Capitaine Crochet. On remercie André qui est le capitaine Crochet de nous avoir aidé à faire un duo d'en haut. Oui, hein? Oui, exactement. Pour nous avoir aidé, nous avoir les bonnes odds, comme on dit. Puis écoutez, là, la journée est incroyable. C'est incroyable, c'est une méchante bataille, je veux dire. T'as-tu les bras finis, Alain? Ah, j'ai les bras morts. J'ai les bras morts. Il a sué sa vie, mais il l'a mérité, bien mérité, Alain. Bravo, félicitations. Yes, merci. Bravo. Merci beaucoup. On continue avec Gab. Regardez Gab, il travaille encore. Toujours en train de travailler, Gab. Un vrai de vrai. Bien sûr. Tout ce que je fais, je le tiens. Je te laisse faire. Je même pas vider, là. Il est pas rentré. Regardez-moi ça. La ligne. Hey, c'est chaud! Non, 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 non! Encore, man! Là, il t'a éduqué. C'est mon petit frère. Ah, il est sur le dessus! J'ai vu! Il est sur le dessus, il est loin! Oui, c'est lui qui est en tête de la dos! Ouais! Il est vu sur le dessus, hein? Oh! C'est bon, mon Rick? Ça a l'air. Sous le dessus. Il faut que tu King Salmon! Wow! Yes! Ah, oh, il était bien piqué, ce lui. Oh, shit, man! Ça dépasse le vin. Oh, trip de malade! Ouais. On l'avait dans le fond du terrain. Ah, il n'y a pas de temps. Tu veux, tu le sens, hein? Quand il se fatigue, là, tu peux... quand tu vois qu'il commence à poigner de la ligne sur lui, là, tu le lâches pas. Malade la mouche, hein? Malade. Non, on va peut-être prendre, on va juste la faire de pince. Là, tu vois. Avant qu'il arrive de quoi? On sent le balayage. Attention pour le fil. Yeah. Ah, c'est moi qui ai viré carré, c'est pas grave. Il va se replacer. Hey, gardez-moi ça! Oh shit, man, il est plus gros que matin. Oh man! Regardez. Oh! Check ça! Wouhou!
Nice! Wow! Man, c'est gros! Amazing pictures! On va prendre des petites photos, mais vite! Tout en muscles, les boys! Tout en muscles! Complètement PMM! Checkez-moi le poisson, les amis! J'ai eu deux bras morts! Mais c'est écœurant! Si vous voulez vivre une expérience de même, faut tout dans le la Contaio! Né avec Gabriel Vachon, un gars super sympathique, intense. On a du fun avec, on a du plaisir, c'est un gars pas gêné, on va jaser, on crie, on a du fun. Gardez-moi le poisson qu'on pogne. C'est complètement débile, complètement débile. Ma plus belle journée de pêche au Lac Ontario, moi ça fait plusieurs fois que je l'ai. Cinquième fois, mais c'est ma plus belle. Chinook de fou, c'est hot, vous allez triper. Venez au Lac Ontario, ça vaut vraiment la peine. Bon, ben, Gab, on en profite, on a une petite accalmie. Vas-y, petite accalmie. On avait une question à poser. On est sur un beau bateau qui s'appelle le Capitaine Crochet. On voulait savoir d'où ce que ce nom-là vient. En réalité, ça sort du premier bateau à mon grand-père. Je suis venu quand j'avais 6 ans sur le bateau, il s'appelait Capitaine Crochet. Ça a resté depuis en sa mémoire. Ça fait pas longtemps qu'il est décédé, ça fait peut-être 2 ans. Et son nom, sur le côté de mon bateau, ça m'amène une tête d'esprit incroyable. La chance qu'on a aujourd'hui. Ah ouais. C'est pas pour rien, mon gars. Non, je peux vous le dire. Tu es partout. Je peux vous le dire tantôt avant qu'on prenne notre premier poisson. Il a fait ça dans les airs. Il dit s'il vous plaît, André, dites-nous. On a 8 poissons dans le bateau. Fait que c'est pas pour rien, moi je vous le dis. Les odds sont avec nous autres. André est avec nous autres. On est sur le plateau de Capitaine Crochet avec Gabriel. Ça continue, on tourne dans l'action, tout le monde. Richard. Richard. Yes, sir. Numéro 2 de la journée. C'est le fun de Paris à sortir. C'est bien trippant. Yes, sir. Attention, t'as pas des chinois? Ben oui. Moi, je fais différent des autres. Hey, Virgil. Ouais, bravo, Pierre. Merci. Good job. Ça, c'est un beau frappardement. Regarde, t'as fait des tout long en haut. Vas-y, man. Regarde, les pieds, c'est vraiment rime. Bien sûr.
come on! Oh yeah, il s'en vient. Fichon, on arrête pas. Calme. Faut attendre. Yes. Oh man. Yes. I will just yeah. Go. Go back three times. Oh. Damn. Oh. Tu l'as, alors pas. Woo. Right here. I'm bringing it right here, yeah. Tout un grand bord. Yes, sir! Nice one, man! Oh yes, ça c'était beau! C'est beau, gars! Beaucoup d'épuisade, man! Beaucoup d'épuisade! Hey, c'est beau, ça! Hey, Mario! Yes, sir! Nice fish, man! Yes, sir! Woohoo! OK! Bon, ben, conclusion de notre super belle journée au lac Ontario passée avec Gabriel Vachon. On a eu une super journée, Gabriel. Superbe. Malgré que tu nous as dit que c'était une journée difficile quand même pour la pêche, on a réussi à faire des super belles captures. On a eu un méchant gros salé. Malheureusement, on ne l'a pas vu. On aurait aimé ça de l'avoir dans la prise. Mais ça arrive souvent, les plus gros qui se sauvent. Aussi rappeler que le saumon chinook, c'est un des poissons les plus puissants qu'il y a en eau douce, je pense. Je pense que oui. Ouais. Puis faut pas lui donner une chance, parce que si on lui donne une chance des fois, ben... Game off, puis cette fois-là, ben malheureusement, c'est pas nous qui avons gagné le combat, c'est le poisson. Écoute, on n'a rien d'autre à dire que c'était une super belle journée. Beaucoup de poissons, beaucoup d'action, surtout beaucoup de plaisir passant en ta compagnie. Nous autres, on voulait savoir tes impressions de ta journée avec l'équipe de plein air sans limite. C'est la première fois et sinon la dernière fois. J'ai apprécié, cool. Moi, le monde qui arrive avec 10 caméras dans mon bateau, ça m'a fait triper, ça m'a allumé, mon gars. Et je te jure que t'es la bienvenue l'année prochaine. Ah, cool. On a bien hâte, on a bien hâte. Rendez-vous en 2021. Si vous voulez passer des bons moments à la pêche sur le lac Ontario, n'hésitez pas à le faire avec Gabriel Vachon. Vous ne serez vraiment pas déçus. C'est un gars super dynamique, il bouge tout le temps, il travaille super fort sur son bateau. Quand ça ne marche pas d'une manière, ça va marcher de l'autre. Même si la journée n'est pas bonne, vous allez prendre du poisson pareil. C'est son devoir, c'est sa mission numéro un. Donc, si vous êtes intéressé à filmer vos aventures, comme le film que vous venez de voir, juste nous contacter soit par Facebook, Twitter ou Instagram ou par courriel à pleinairsanslimite@gmail.com.
continuez de suivre nos aventures sur Plein Air Sans Limite, ça ne fait que commencer. Merci tout le monde de nous avoir suivis pendant notre voyage au lac Ontario. On espère que vous allez avoir des super belles aventures comme nous on vient de vivre. Donc à la prochaine tout le monde.